Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième partie de ce championnat Formula Rookie UK. On part pour Snetterton pour la deuxième manche, le deuxième week-end de course. J'espère que le premier épisode vous a plu. Nous sommes en route pour Le Mans et ses 24 heures, mais ça ce sera d'ici quelques années de compétition. Pour l'instant, on va se contenter participer au championnat de Formula Rookie. Hop, et on va faire un petit tour sur le circuit, comme ça vous découvrez le tracé. On nous lance en piste. Ici à Snetterton, un autre petit tracé britannique que j'aime beaucoup, mais qui a perdu pour moi de son intérêt depuis la suppression de la chicane lors qui est devenu un dernier gauche plutôt. Avant c'était une chicane. Allez, on prend la piste. Alors on est sur la configuration 200 de ce tracé de Snetterton. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode que je découvre entièrement. C'est ici en Formule 3 britannique qu'en 2008, Bruno Senna a eu un terrible accident. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Où sa voiture avait décollé sur la droite du circuit. La grande courbe ici qui, lorsqu'il pleut, est très difficile à négocier. Et alors ici, voilà, il va falloir freiner en étant en courbe à droite. Et puis, voilà, et tourner à gauche. Donc ça risque d'être compliqué, il risque d'avoir des occasions de dépassement. Vous l'avez peut-être furtivement aperçu. Au moment où j'ai chargé le tout début de ce deuxième épisode, mais on est passé tout simplement en configuration 85 au niveau de l'IA plutôt que les 80 lors du premier meeting, histoire de relever un petit peu le plateau sans forcément se prendre la tête, parce que le but ici n'est pas de montrer du super play, bien entendu. Alors ici l'épingle, qui n'est pas vraiment une épingle, qui est un S, mais très serré. Donc au championnat, je rappelle qu'on est toujours au commandement après le premier week-end d'Oulton Park, où on a fait un beau meeting, on est revenu de très loin lors de la deuxième manche. Ça risque de s'avérer un peu plus compliqué, hein, si on est également condamné à partir derrière pour ce deuxième meeting, puisqu'ici il y a beaucoup moins d'opportunités pour se présenter face à un adversaire, et surtout de dépassement, il y en a peut-être une ou deux sur le tracé, alors qu'à Oulton Park on pouvait créer beaucoup plus de différence avec le vallonnement et le tracé. Je suis pas très rapide pour l'instant, mais bon, ça vous fera un petit tour de présentation lors de cette séance d'essais libres. Et on fait le premier chrono. Et si on termine, eh bien, on est déjà plus loin. On est 15e avec le chrono qu'on a fait, donc on sait qu'il faut faire au moins, oh là là, une 11. Alors lui, il a cheaté complet. Le premier, donc il nous fait une 11, donc on sait qu'il faut faire une 16 pour essayer d'être bien qualifié. Il faut faire donc 1 minute 16. Go, go, go. Et on va essayer de faire quelque chose de bien. Alors les conditions sont assez nuageuses et sombres. On va voir comment ça va évoluer au fur et à mesure de la séance. Alors bien sûr le sous-virage classique. Alors j'ai augmenté un tout petit peu la pression des pneus, histoire de les aider à chauffer.
Okay, let's put together all your best sectors for one perfect lap. Bon, je vous avais dit que les pneus froids, ça allait nous poser pas mal de problèmes. Et on vient encore de le constater ici. Alors, beaucoup de monde qui monte en piste. J'espère qu'ils vont pas nous gêner dans la première courbe, sinon on peut déjà dire au revoir à ce tour-ci. Ça va, on n'est pas trop gêné. Toujours les pneus un peu froids. Pour l'instant, on est les meilleurs du premier secteur, mais ça ne veut rien dire. Il n'y a pas encore de monde avec un chrono. Donc voilà, il va falloir attendre un peu plus tard dans la séance, bien entendu, pour avoir les meilleurs temps. Nous, on va déjà faire un tour en plus de celui-ci pour avoir un tour avec des pneus chauds. Pour l'instant, le meilleur dans le deuxième secteur également. Donc, il est possible qu'on ait le meilleur temps provisoire, mais il ne faudra pas s'en contenter. Alors que d'un coup, il fait bien plus sombre. Alors quatrième, on va essayer de voir si on peut ici placer la voiture différemment pour essayer de freiner moins en appui. Oh là là, d'un coup, regardez le soleil qui s'est complètement barré. Il fait complètement gris. Comme en ce moment, il va y avoir presque du brouillard sur la piste. Et on rentre le cinquième chrono. Allez, maintenant on va faire le vrai tour de qualif. On améliore d'un dixième le premier secteur, c'est pas énorme. Mais on reste les plus rapides. Attention, parce que devant il y a énormément de trafic. On est tombé au 8e rang. Et on remonte encore, mais c'est pas le top. Donc on termine cette séance de qualification assez loin, malgré tout on sera 8e sur la grille en 1.18.4, donc les meilleurs sont en 1.17, on est moins rapide, mais la piste a été très changeante et ceux qui ont fait leur meilleur tour en début d'épreuve eh bien, sont devant, et nous eh bien, on est derrière alors que là le brouillard va envahir la piste pour cette première manche du week-end. Keep your eye on the lights, easy with the right foot, let's nail this. Green, green, green. On se place sur l'extérieur, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Par contre, avoir repassé la deuxième était une mauvaise idée. On est déjà sixième. Il n'y a personne sur notre droite. Alors que devant, ça s'explique déjà. Oh, ça coupe aussi. On touche la voiture de devant, on touche notre équipier. Oh. Et là, on n'était pas les seuls à avoir vu qu'il fallait passer à gauche. La voiture numéro 9 avait également fait ce choix-là. Là, par contre, là, il nous emmène. Heureusement qu'on a donné le coup à droite, sinon c'était notre museau dans sa boîte de vitesse. Je ne sais pas où est notre principal adversaire au championnat.
Oh, regarde ça, on voit vraiment rien. C'est brouillard. Alors, je vous avoue que c'est compliqué de voir clair, hein, parfois. Alors, on va boucler le premier des trois tours de ce premier round du week-end. La manche sprint. Il faut qu'on arrive à, si ce n'est maintenir ce stop 5, essayer de... d'aller arracher un podium. Ici, on est bien ressorti. On peut attaquer. Et on touche la voiture numéro 9. Mais on est passé un petit peu d'éclaircie sur le circuit lors de ce deuxième tour. Je rappelle qu'il y a un point alloué au pilote le plus rapide. Hein. Allez, il fait un peu plus clair, on voit bien mieux. Les pneus vont avoir plus facile à chauffer. On va peut-être accrocher le meilleur tour en course lors de ce deuxième tour de course, justement. Si compliqué hein, de freiner dans ce dernier gauche. Parce qu'on freine en appui sur la droite et on est bien ressorti. On est bien ressorti et on va peut-être prendre le podium. Et c'est Mark Burnley, notre principal adversaire au championnat, que l'on vient de dépasser, donc ça c'est très bon pour le général. C'est vraiment bon pour le général. Allez, il faut le faire, on est poussé par notre ingénieur. Il faut aller chercher cette voiture. Je rappelle que c'est le dernier meeting du championnat, hein, les amis. Donc c'est l'avant-dernière course, il y a eu 4 courses pour ce championnat national. Après, si on est titré, à nous l'Europe. Touché par Burnley, et Burnley qui a réattaqué, mais là c'est nous qui étions complètement perdus dans ce dernier gauche. Bon, ça va, c'est passé. Ah ben voilà, c'est terminé, pardon, j'étais pas attentif, j'étais dans ma course, je pensais qu'il y avait un tour de plus, navré, et on décroche donc le podium, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, nous sommes donc troisième. Donc on peut voir au niveau des classements que c'est Roland Smith qui remporte la première manche. Et au classement général, ça nous met donc Burnley à quelques points déjà. Je pense que, sauf catastrophe, je pense que si on termine devant Burnley pour la deuxième course, eh bien, ce sera remporté pour ce premier championnat. Alors, on est un peu plus tard dans la journée. Le soleil, vous voyez, est très bas malgré le brouillard. Green, green, green. C'est compliqué, là on fait un mouvement absolument incroyable à l'intérieur. Là c'était vraiment pas mal. Oh, il vient nous resserrer, c'est toujours la voiture numéro 9 je pense. Alors que le pilote au commandement n'est pas notre adversaire direct au championnat. Et alors que derrière il n'y a personne. C'est Cannenberg qui est derrière. Donc c'est deux noms qui ne sont pas des hommes qui occupent les premières places dans le tableau du général. Donc on est plutôt bien. Donc même si on ne remporte pas de course lors de ce deuxième meeting, on peut remporter le titre puisqu'on a de l'avance avec la première victoire lors de le premier meeting à Houlton Park. La deuxième place lors de la deuxième course, et ici le podium lors du premier meeting. Regardez ce soleil qui vraiment est très spectaculaire.
le soleil vraiment qui donne un effet visuel très spécial avec le brouillard. Donc on est second, le premier qui a pris quand même un peu d'avance et on perd totalement la voiture dans la courbe. Alors là, j'ai été surpris par la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, les pneus ne sont pas si froids. Alors là, j'ai été totalement surpris par la voiture. Alors, il y a un pilote sur la droite, j'ai pris mes aises. Et c'est notre équipier, mais c'est incroyable. On se fait percuter par notre équipier. Incroyable accident. Entre nous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce qu'on a des dégâts au niveau de la voiture? Non, ça a l'air de fonctionner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je ne sais pas si Bernie est passé. Mais ça nous met sixième, attention, alerte pour l'instant. Et la course qui devait se passer calmement est en train de tourner un petit peu à notre désavantage. Et oui, notre coéquipier qui est derrière, qui n'a plus de cache pour régler son pédalier à l'avant de sa monoplace, ni plus de capot moteur. Et je crois qu'il y a un cache d'un de ses pontons qui a également volé. Donc ça, c'est vraiment un accident débile. C'est la course, hein, les amis. Faut faire avec, nous on s'en sort bien parce que dans l'histoire on n'a pas de dégâts, la voiture est plutôt en ligne, donc au niveau des dégâts, pareil, il y a 5 tours, donc on peut encore essayer d'aller chercher un pied de podium, ça semble faisable. Après, les deux hommes devant sont bien loin, attendez, tant qu'à parler du leader, il est beaucoup trop loin. Alors je sais pas, ici j'ai dû être surpris, j'étais peut-être en survitesse tout simplement ou trop large. Ça m'a surpris. Alors que devant il y a de l'attaque, ça change les positions. Alors lui il va être bien trop lent. Pouvoir le doubler. La monoplace numéro 11 qui nous laisse sa place. Et on entre donc de nouveau dans le top 5. Et on est l'un des pilotes, si ce n'est le plus rapide. Allez, on nous motive à aller chercher cette place. On va essayer de voir si on peut mieux relancer ici comme ça, voilà. Eh oui, ça a marché. La trajectoire nous permet de bien mieux ressortir et on va donc dépasser à gauche. Toujours cette monoplace numéro 9, hein, avec qui on s'était pas mal disputé également la dernière fois. On le tasse un petit peu. Voilà, on lui explique que c'est nous qui devions prendre la place. Ok, we've got a little bit of pressure from the guy behind, so maybe time to start covering the inside line. Alors on est dans la dernière boucle de ce deuxième round du week-end. Et on va essayer tout simplement bien de ramener la voiture au bout après ces accrochages et ces erreurs. Je pense qu'un pied de podium sera une belle récompense. On s'est fait très peur et surtout on a mis KO notre équipier. Maintenant la chose que j'espère c'est que dans les pilotes devant il n'y a pas notre ami Burnley. Si Bernie est à ce moment-là deuxième ou troisième, ça va poser plus de problèmes. Et le pilote à l'intérieur, mais quelle attaque! Vous avez vu cette attaque? Oh là là, alors oui, j'étais lent, mais alors là, il a sauté au-dessus du vibreur. Quelle attaque! Il m'a totalement déposé, regardez ça.
Alors je ne vais pas faire la bêtise d'aller vouloir rechercher la position parce qu'il n'y aura pas de d'opportunité d'aller la rechercher. Ah, quoique, on est bien ressorti. On est bien ressorti. Oh, et ça va se jouer à pas grand chose. Oh, sur la ligne, il garde l'avantage. On ne peut pas aller attaquer. Donc, on a marqué des points. Donc, c'était l'objectif. Et au niveau du championnat, on s'en sort bien puisque Bernie termine 10e. Donc, si on fait les comptes lors de cette deuxième manche, il y en a compris beaucoup de points. Est-ce que ça va suffire au niveau du championnat? Donc, on a quand même réussi à prendre les points bonus des deux meilleurs temps dans les deux courses en 1.17 à chaque fois. Dommage qu'on n'ait pas plus de précision. Et voilà, nous sommes champions de notre premier championnat. Et je reçois quelques succès, évidemment. Vous ne le voyez pas sur la capture, je crois. Donc, ça, c'est le classement général. Donc, une victoire pour nous et 106 points. Et Bernie, donc, qui termine 3e. Donc, c'était Cole Sava qui termine 2nd. Et Roland Smith, qui a fait quand même une très bonne saison, se retrouve 5e. Bah, écoutez, voilà. Distinction argent obtenue pour avoir remporté l'événement défi Formula Rookie Britannique. Donc, on a des mails. Nouvel email, on est invité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on nous invite à faire de la course historique. Donc, les classements, vous le voyez, manche du championnat. Donc, si on va voir notre calendrier, la prochaine étape, eh bien, ce sera le championnat d'Europe de Formula Rookie. Et nous partirons pour le circuit de Catalunya en Espagne. Les amis, je vous donne déjà rendez-vous lors du prochain meeting où on attaquera la phase européenne de cette Formula Rookie. Merci beaucoup d'avoir suivi ce deuxième épisode. Et je vous dis à très vite sur la piste. Salut!